Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une déco de Noël. Alors exactement, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc par contre, je sais à peu près ce que je vais faire. Donc je vais travailler cette carterie. Voilà, c'est pour de la carterie normalement. C'est Craft Création LD. Je l'ai pris sur le site Creative Hobby. Voilà. Et j'ai pas pu m'empêcher d'y aller encore. Et donc j'ai décidé de me servir de ce petit cadre en bois pour le mettre encore plus en relief. Donc je pense que je vais le coller comme ceci. Voilà. Ça c'est une récup d'embellissement en bois. Hein. Donc je garde les emballages. J'en ai partout. Là, et je pense, on va voir après, mais je pense que je vais venir le mettre ici, sur cette étoile. Alors ça, par contre, c'est très vieux. Je sais pas où je l'avais acheté. Il y a bien 3-4 ans que je l'avais acheté. C'est plusieurs petits plateaux. Voilà. Et bon, alors après, tout ce qui est déco et tout, ben, ça, je verrai après. Donc, je vais d'abord m'occuper de faire la carte 3D, en fait, en 3D. Et puis après le reste on verra, sachant que je pense y mettre comme de la neige là autour, donc je vais pas le peindre, je vais le laisser comme ça et je verrai après. Donc vous voyez, c'est un plateau en fait. Donc on y va. Alors bien sûr j'ai besoin de mes outils, il est effacé le numéro hein, parce que il est quand même vieux. Il y a au moins 10 ans ce truc. Et ça c'est le numéro 8. Voilà. Et ça il me semble que c'est le 1, mais je suis pas sûre. Et il y a même de la silicone là. Hop. Bon. Excusez-moi. Donc alors, je vais venir prendre mon vernis colle en fait. Alors là, c'est le GK Diffusion. C'est le Syntex S40. Voilà, moi c'est mon préféré. Ça fait plus de 10 ans que je m'en sers. Donc voilà. Ensuite, je vais venir coller et vernir mon image. Donc, comme pour tout. Voilà, ça a un peu séché. Je l'enlève. Hop. Et là, je vais venir mettre un peu du vernis. Alors je croise hein, pour pas le. Je vais enlever ça parce que ça m'énerve, excusez-moi. Hop. Donc je croise pour être sûr qu'elle est un peu partout. Là, je vais venir en mettre un petit peu sur mon image aussi. Là, hop, je viens prendre l'image et je viens la coller alors à l'endroit à droite, c'est mieux. Et là je viens appuyer, alors j'ai que celui-là. Un peu partout, bien comme il faut, que ça colle bien. Vous voyez, là, je n'ai pas mis assez, donc on en remet un petit peu. Hop.
vérifie. Et donc là, je vais venir revernir sur l'image. Vous voyez, je viens croiser les couches de vernis, enfin de vernis colle, pardon. Pas que ça fasse trop de traces. Voilà. Donc ça. Je vais juste prendre voilà, une lingette pour essuyer juste au bord. Hop. J'ai un peu bavé avec le vernis. J'essuie un peu là. Donc voilà, je vais laisser sécher un petit peu, puis après je vais venir m'occuper du reste. Donc en attendant que ça sèche, du coup je vais venir découper les autres parties, parce que je vais venir les vernir dessous, parce qu'en fait je vais le faire au silicone, et que du coup ça évitera que si jamais il est plus ou moins gras, du coup... que ça fasse des taches après sur l'image au fur et à mesure du temps. Alors c'est une précaution. Donc je prends mon crochet là, mon outil, et là vous voyez il y a des numéros. Donc ça c'est le 1, ça c'est le 2A, 2B, 2C, et là, le B, 2D, fait voilà. Et c'est super facile en fait. Donc je retourne, et puis là j'ai juste à venir appuyer à l'envers comme ceci, et ça se découpe tout seul. Donc je vais tout découper, et puis je vais venir après le vernir. Donc, je prends le bout fin plutôt. Ces images se découpent super bien. Moi j'adore. Okay. Hop. Hop. Ensuite je viens faire celui-là. Je regarde. Donc j'ai tous les deux. Ça c'est des découpes pour après si je veux. C'est des petits ronds. Ça, je vais les mettre de côté. Je verrai après si je m'en sers ou pas. Hop. Donc, ça, c'est le 2. Je vais faire le 3 aussi. Ça se défait tout seul. Vous voyez, j'appuie pas. Hein, Par contre, si jamais vous voyez que ça coince un peu, faut le faire au cutter. Voilà. Et puis je vais continuer. Donc, au début, je voulais faire une boule de Noël avec. Et puis, je me suis dit, ouais, elle est jolie et tout. J'ai dit, bon, on va faire un truc original. Donc, ça, c'est la troisième partie. Ou la quatrième, je sais plus. Ouais, ben, la quatrième. Ouais, c'est ça. En déco, c'est ça que j'aime bien, ces carteries, parce qu'il y a toujours des petites décos avec des trucs en plus, et c'est super bien quoi, parce que du coup ça, on peut l'agrémenter. Et donc là vous voyez, j'ai découpé tous les morceaux qu'il me fallait pour mon image, et du coup
je peux en faire une plus petite, la même en plus petit, et c'est pareil, c'est le même principe. Donc ça, je le ferai après. Donc je mets ça de côté, je reprends ma protection. Et puis donc là, je vais venir vernir d'abord ma première couche, juste derrière. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère le faire parce que ça évite des problèmes après. Parce que quand notre travail il est fini et qu'après on voit des taches arriver, bon, ça c'est surtout avec la silicone de mauvaise qualité. Mais, et hop, je le mets de côté et je continue. Bon, je le fais hors caméra, puis je vous retrouve après. Donc alors, c'est bien sec là, vous voyez. Vous voyez, ça brille, c'est sec. Juste avant de commencer le 3D, par contre, je vais coller le cadre. Comme ça, je pourrai aller plus vite en travaillant autour après avec de la peinture acrylique. Bon, alors, elle est très vieille, je ne sais pas où je l'avais achetée. C'est de la mode, de la pâte à modeler épaisse. Voilà. Enfin, je ne sais plus du tout d'où ça vient. Ah oui, de Dalbe, magasin Dalbe. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai fait chauffer le pistolet à colle. Et puis là, je vais venir mettre de la colle chaude. J'ai tracé avant autour le trait là. Oui. Donc. C'est fini. Oui. Excusez-moi, c'est mon fils qui parle. Hop. Et là, je viens le coller à peu près droit. Voilà, bien sûr, je viens essuyer un petit peu autour. Alors, c'est pas grave, puisque de toute façon, si ça déborde, puisqu'il y aura le genre de neige quoi autour. Donc, c'est pas grave. Donc, je gratte un peu. Voilà. J'appuie. Donc, voilà ce que ça va donner. Vous voyez? Après, bien sûr, hein, ce sera décoré autour. Hein. Donc, je vais débrancher le pistolet à colle avant de l'oublier. Hop. Et donc là, eh bien, je vais venir tout simplement reprendre ma mousse, mon torchon. Alors, moi, je prends un torchon, mais avant, je prenais une serviette, comme vous voulez. Hein, vraiment. Et donc là, je vais venir reprendre mes éléments. Et je vais venir, avec le bout le plus gros, lui donner la forme ronde. Alors, on peut aussi le travailler comme ça, au début, quand c'est des gros morceaux, pour un peu l'arrondir. Vous voyez, ça s'arrondit tout seul. Et je force pas là. Et après, on vient arrondir. Je sais pas, vous y voyez pas beaucoup là. Bon, pour ceux qui ont vu l'album photo de Noël, avec le bloc 3D, c'est pareil. On tourne et là, on vient l'arrondir. Vous voyez, ça se rendit tout seul. Alors, plus ou moins, ça c'est comme on a envie. Il y en a qui le font pas, qui l'arrondissent pas, qui mettent à plat. Moi, perso, je préfère quand c'est un peu arrondi. Ensuite, on va prendre la colle silicone. Donc là, c'est celle de GK. Si elle est pas sèche, celle-là, parce qu'elle est un peu vieille. C'est bon. Donc, je prends mon outil. Avec le petit crochet, je viens y mettre des points de silicone. Alors, moi j'aime quand il y a du relief, donc j'en mets quand même assez. Après, c'est comme vous avez envie.
vraiment, c'est, si vous aimez pas trop le volume, vous en mettez moins. Si vous aimez beaucoup de volume, vous en mettez beaucoup. C'est comme vous le souhaitez. Hein? Et là, je viens le déposer délicatement. Je le superpositionne. Hop. Ah. Prévoir un bout de d'essuie-tout à côté. Bon, là, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où il est. Et donc là, je viens délicatement alors appuyer et lui donner la forme que j'ai envie. Le tout, c'est que les images soient bien superpositionnées. On arrondit, on appuie plus ou moins. Ce qui est bien avec la silicone GK, c'est qu'en fait, on peut, si je veux là, je peux le relever, ça restera. Quand on se trompe, c'est pas mal. Si on appuie trop ou pas, surtout au début, quand on débute, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien. Donc voilà. Hop. Vous voyez ce que ça donne? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Puis là, je décide que c'est pas assez levé. Hop. Il n'y a pas assez de volume. Donc voilà. Ensuite, ah, j'aurais dû prendre celle-là d'abord. Donc là, vous voyez, je me suis trompée. J'aurais dû mettre celle-là en premier. Parce que là, en fait, celle-là, elle va passer dessous. Vous voyez qu'il y a le Père Noël, là. Donc, pas de problème. Ce que je vais faire, je vais tourner, lui donner la forme. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste relever et puis après ben, je le positionnerai comme j'aurais dû le faire au début. Hop. Et bien sûr, j'en mets partout. Là, vous voyez, je viens relever. Et là, je viens mettre donc mes sapins en place et mes bouts de cheminée. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Tant que c'est pas sec, la silicone, on fait ce qu'on veut. Et c'est super. Voilà. Là, bien sûr, je viens essuyer. Parce que là, je vais venir aplatir. Et que j'en ai un peu trop mis. Comme d'habitude, ça m'arrive souvent. Mais c'est pas grave. On essuie et tout va bien. Là. Là. Je viens juste appuyer un petit peu plus. Et là, je n'ai plus qu'à remettre mon Père Noël dessus. Et là, vous voyez, du coup, je vais y rajouter un peu de silicone parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après, ça c'est moi, on n'est pas obligé. Là, un tout petit peu sur la main. Hop, et là. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien là le relief. Voilà, et puis on continue ainsi de suite. Donc,
voyez l'importance des chiffres. Moi, je fais ça n'importe comment, mais en fait... Ah, j'ai un trou. Ça y est. Ça y est. Ça va aller là et ça va aller là. Voilà. Hop. Donc, je continue. L'autre côté. Et je viens faire dessus. Alors, par contre, celui-là, je sais pas si... Je pense qu'il va dessous. Ouais, il va dessous, celui-là. Ben, pareil. Je continue. Là, j'ai pas assez arrondi. Là, je viens prendre la silicone. Je mets les points. Je viens essuyer ici. Et donc là, pareil que tout à l'heure, du coup, je vais venir le lever pour placer mon image dessous, en fait. Hop. Et là, je place mon image. Bah, alors donc, faites pas comme moi si vous avez du... Si vous débutez, en plus, vous mettez, vous suivez les numéros. Moi, ça s'est mélangé parce que j'ai ouvert la fenêtre et que du coup, y a eu du vent. Voilà. Donc là, je la range comme j'ai envie que ce soit. Hop. Et donc là, je viens mettre celui-là. Donc là, vous voyez, il y a un bout de la voiture encore. Mais du coup, c'est pour ça que je regardais tout à l'heure. Et du coup, il va venir se poser dessous, en fait. Ça se verra pas. Voilà. Et donc là, je viens le positionner dessus. Et on continue. Donc là, ça va être celui-là. Là, je l'arrondis. On lui donne la forme qu'on a envie. Pas ça arrondi pour moi de ce côté. Oui. Et pareil, on continue avec nos points de silicone. Plus ou moins gros, suivant ce qu'on a envie.
Là, j'en ai trop pris, c'est pas grave. Je le recoupe avec l'outil. Vous avez aussi un embout fin qu'on peut mettre avec les tubes de GK. Et ben, je sais pas où il est, parce que ça, c'est celui de l'année dernière. Hein. Et vous voyez, il est encore bon. Hein. Je pensais qu'il serait sec. Et il est encore bon. Moi, j'aime bien aller jusque dans les petits coins. Voilà. Et donc là, je viens le poser. Par-dessus l'autre image. Alors, je fais en sorte que tout soit bien à sa place. Voilà. J'aplatis un peu. Et si du coup ça déborde un peu, parce que comme à mon habitude, j'en ai un peu trop mis, c'est pas grave. On essuie, c'est le bord. Et on continue. Normalement, je devrais faire le tableau. Normalement, je devrais faire le tableau de... C'est vrai que j'avais pris au salon créatif. J'ai le cadre, il est en train de sécher. Là, je l'ai peint. Hop. Voilà. Non, j'aime bien quand c'est bien dessus. Je préfère perdre un peu de temps et le faire tranquillement et bien être au bord que de le faire vite fait et après de se rendre compte une fois que c'est sec qu'on n'est pas pile poil en face. C'est bête. Parce qu'une fois que c'est sec, après on ne peut plus le bouger, quoi. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là? Donc là, j'aplatis un peu plus. Hop. Voilà. Et donc, je continue. Maintenant, je vais mettre celui-là. Toujours pareil, le même principe. Là, j'amène un peu pas des petits bouts partout parce que comme c'est des petits morceaux, je veux que ce soit quand même collé. Donc c'est pour ça, là, j'en mets un peu partout des petits. Là, il n'y en a pas assez. Hop. Hein? Et là, je vais mettre le Père Noël. Hop. J'ai tendance à toujours y mettre les doigts dessus, donc. Voilà. Donc je le mets à sa place.
Non. Je regarde un peu partout. Que ça tombe bien. Si vous le voyez, et on continue ainsi de suite. Donc là il reste tous les petits morceaux maintenant, les tout petits détails à mettre. Je vais chercher une pince, je reviens. Donc alors vous voyez, c'est des tout petits bouts qui me restent là. Hop. Voilà. Donc je vais mettre la couronne. Et après, par contre, si c'est trop petit, je mettrai directement sur l'image. Et après, je le poserai avec la pince. Parce que ce sera plus facile quand même. Là, délicatement. Et puis donc. Bien. Poser la couronne, hop. Puisque j'y suis, je vais faire le nœud, le petit nœud. Donc alors là, je fais avec le petit, par contre, hein, le petit bout. Et là, je vais juste venir mettre un petit peu de silicone. Hop, j'en ai trop mis. Et là. Là et là pareil avec le petit bout, je viens m'aider et placer le nœud. Alors je fais très doucement parce que du coup l'autre dessous il est pas sec, il est donc il bouge encore, hein, il est vraiment pas sec, je viens de le poser. Donc ce que vous pouvez faire si vraiment vous voulez vous sentez pas, vous débutez, vous pouvez le faire au attendre un peu, que ça se prenne un peu, et après le faire, le finir après. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Hop. Et puis je continue. Donc là, je vais faire la tête du Père Noël. Avec le petit bras. Pareil, je prends le petit bout. Et je tourne, j'arrondis. Là, je vais venir le mettre directement dessus parce que je ne sais pas exactement où il va tomber. Et donc là, je viens voir à peu près où ça tombe et le déposer. Hop. Bien sûr, comme c'est tout petit. Là, hop.
Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Ah, la ceinture du Père Noël. Et. C'est quoi ça? Il est. Là, la fourrure des bottes, là, comment ça s'appelle? Donc, je vais d'abord faire la ceinture. Là, pareil. On met de la silicone. Et puis, on vient le poser. Là, je m'en suis mis partout, bien sûr. Le mieux, c'est de le faire avec les pinces. Mais c'est vrai que je ne suis pas très, très à l'aise avec les pinces. Donc, je fais autant de bêtises, en fait, que ça. Mais si. Prenez les pinces plutôt, hein, c'est quand même mieux. Voilà. Je vais mettre les bottes. Enfin, la fourrure des bottes. Donc, on va commencer par celle-là. Là, il y en a trop. Vous voyez, là, je regrette de ne pas avoir le petit embout parce que du coup, c'est bien pratique. Donc là, je vais essayer de le faire avec la pince quand même. Pareil, on essuie un peu si ça dépasse et on le place délicatement. Voilà, je fais pareil à côté. Là, j'en ai trop mis, donc j'en enlève. Avant de placer, j'essuie un peu autour puisque j'en ai un peu mis partout. Et pareil. Je dépose et je remets. Hop. Il me reste la manche, donc je vais le faire. Là, pareil, je mets un petit point. Et là, en plus, je fais attention de ne pas appuyer sur le travail que j'ai déjà fait. Parce que du coup, avec la main, là, ça m'est déjà arrivé. Hein, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Ça, je ne sais pas si je le mets celui-là. Je le mets ou pas. Ouais. Je vais mettre le. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez ce qui passe sur la roue là? Ninja Liver? Non, je sais pas. Je suis pas très douée pour les voitures. Hop.
il apparaît. Je le dépose. Et puis je vais le mettre en place après. Voilà. Donc voilà, mon 3D est fini. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là. Là, les différentes couches, les petits détails. Voilà, bon, là, il n'y a plus qu'à laisser sécher maintenant. Et puis après, continuer le travail, puis le vernir. Mais je vais attendre un petit peu, puis on se retrouve après. Donc alors, je vais prendre la... C'est un peu liquide hein, quand même. Je sais pas trop. Hein. Ça fait quoi là ça? Je regarde, excusez-moi du coup. Hein. Parce que c'est bien liquide. Hein. Ce que je vais faire... Je vais regarder si en le mélangeant ça va mieux. Je vous retrouve après. Ouais, donc en fait, j'ai pris la Cultura, qui était toute neuve d'ailleurs, qui est un peu moins liquide. Donc ça, c'est de la pâte à relief. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir délicatement mettre sur les bords. Faire un effet de neige un peu. Et en même temps, je vais passer un peu sur l'image. Hop. Alors, je suis désolée, je suis pas très habituée à la spatule. Hein. Si à un moment que je l'ai pas fait à la spatule. Donc... je suis un peu maladroite, hein, mais bon. On s'en fiche, hein, c'est le résultat qui compte, hein, de toute façon. Et là, j'ai mis un tapoté pour faire comme s'il y avait de la neige qui... faut pas que ce soit plat, quoi, en fait. D'ailleurs, je vais mettre le plastique pour protéger le plan de travail. Et là, je vais faire tout le tour comme ça. Alors, bien sûr, je fais bien attention de pas d'essayer de pas toucher l'image, hein, puisque je vous rappelle que c'est pas sec. Ça, demain je pourrai le finir, ça séchera toute la nuit. Donc là, hop. On n'est pas obligé, après moi je vous montre comment on fait, mais vous pouvez faire après, vous pouvez le faire en carte, hein, si vous voulez vraiment. Là, on va le faire un petit peu plus. Voilà. Je viens bien déborder par terre, enfin par terre de l'image, hein, je m'entends, vous avez compris. Hein. Là.
Hop. Et puis, pareil. Je viens faire comme de la neige. Hein. Et on continue. Bon, je vais continuer hors caméra, puis on se retrouve après, parce que sinon ça va vous faire trop long. Donc à tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai mis partout, sauf sur les bords là. Je vais attendre où je le ferai demain, ou je mettrai autre chose. Donc, je vous montre. Maintenant, avant que ça sèche, je vais y mettre des paillettes. Donc, je vais prendre les blanches. Celle-là, là. Et puis là, je saupoudre. Comme ça, ça fera une neige brillante, en fait. Et bon... pareil, vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez le faire après. Moi, j'aime bien le faire avant parce que au moins ça se prend dans la peinture en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Comme la nuit commence à tomber. Et puis là, ben, maintenant, je vais laisser sécher jusqu'à demain. Et puis on vernira et on arrangera tout ça demain. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.